Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour la suite de notre ouverture de ce display offensive vapeur. La dernière fois je m'étais dit je voulais me rappeler du nom de ce Pokémon, je ne sais toujours pas. Est-ce que justement c'est l'occasion d'avoir sa carte? Comme ça nous aurons voilà nos 9 boosters pour aujourd'hui. Et du coup j'espère qu'on aura peut-être ce fameux Pokémon qui me permettra de me rappeler son nom. Est-ce que je l'ai complètement oublié? Allez, c'est parti. J'adore cette sensation d'avoir tous ces boosters en main. C'est un rêve de gosse, hein. Vous savez, quand parce que j'ai connu les premiers boosters Pokémon quand j'étais tout gamin, et en avoir autant en main comme ça, c'est un rêve de gosse. C'est vraiment waouh, avoir une boîte entière. Si la première génération à l'époque on m'avait donné un booster entier, enfin non, un display entier de boosters Pokémon, ah, j'aurais été complètement waouh, pendant 2 jours j'aurais sursauté, enfin non, j'aurais été super content quoi. Après j'en avais pas mal des cartes, comme beaucoup de gens en fait, des cartes Pokémon, j'en avais tout plein. Voilà donc le code pour vous aujourd'hui, j'avais plein de cartes Pokémon et en fait je crois qu'on me les avait, quelqu'un me les avait piquées à une période. Je crois que c'était à l'école primaire, on m'avait piqué toutes mes cartes Pokémon, je l'avais vraiment mal. Et du coup, je radote. Mais voilà, ça fout le moral à zéro. Du coup, maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que je reprends petit souvenir de moi, de mes années primaires et un peu plus. Allez, on commence. Élionceau, Furéglon, Trompignon. Je vais un peu vite, hein. Scalpion, parce qu'on connaît les cartes statistiques. Click, Mélancolux, Guerriaigle, Furéglon Reverse et un Yanmega en rare. Ok. Donc tout ça, c'était quasiment que des cartes que j'avais déjà. Allez, on veut, même si c'est des cartes pas super rares, au moins on veut de la différence, hein. On veut pas tout le temps la même chose. On veut un peu diversifier. Allez, je sens bien le booster. Je sens qu'on va avoir des belles cartes là-dedans. Tac. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, on veut des belles cartes, on veut des ultras. Nous, on est à la recherche des ultras perdus. Cradopo, sac de nœuds, Furéglon, Moustillon. Oh, oulala, oulala. Peu trop d'empressement. Décidément, Scalpion, Fossile Armure Dinoclier, Trousselin, Lien Spirituel Gardevoir. Cotovol, j'aime beaucoup cette carte. En plus, c'est une rare, donc c'est encore une rare que je n'avais pas. Et en plus, c'est en reverse, voilà. Et donc nous avons un Tengalis. Oh, Tengalis qui est en holographique. Ah, il est très beau. Il est très beau. Et donc en double type. J'aime bien les holographiques double type. C'est vraiment des très belles cartes. Bon, c'est pas aussi beau qu'une Full Art, hein, mais ça reste des très belles cartes. Ok. On enchaîne. Et on va passer. Alors il nous reste encore pas mal de boosters, hein, mais. Voilà. Tac. Alors bizarrement, celui-là, j'ai réussi à bien l'ouvrir. Hein. 1, 2, 3, 2. Pour l'instant, on n'a eu aucune. Si on a eu une ultra, c'était la turbo de la dernière fois, mais pour l'instant, là, pas grand-chose. Hein. Tarinor, Funissir, Solochi, Ponyta, Marill, Bruttalibret, Floravol, Profiterole envoûtante, Élionceau, et nous avons Megavolt en rare avec un double type à nouveau. Très belle carte aussi également. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boosters. Allez, on va faire 6 boosters. Et on espère qu'elles vont nous offrir de belles ultras. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Nous voulons des belles ultras. Parce que je sais qu'il y a des belles ultras dans cette édition, dans cette extension. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 1, 2. J'espère qu'on aura des belle surprise. Allez, Wistikram, Miaouss, Granivol, Funissir, Watt-Watt, Lien Spirituel, Stelix, Pifeuille, Guerriaigle, Click et. Oh! Ah bah voilà! Voilà, il s'appelle Volcanion, voilà! J'avais complètement. Ah waouh! Regardez-moi ça! Regardez-moi cette belle carte! Oh, ce beau Volcanion! Le gars qui fait genre, ah oui, j'ai toujours connu son nom à ce Pokémon. Mais oui, c'est cela. Mais oui. Alors, tout de suite, j'ai prévu des pochettes. Tac. Allez. Une belle Full Art comme ça. On la met tout de suite dans une pochette. Voilà. Et en plus, c'est une double type. Regardez. Voilà. Très, très, très belle carte. Voilà. Encore une belle Full Art qui va s'ajouter à ma collection. Ah, elle est vraiment belle. Je vérifie juste hein, si elle n'a pas de défaut.
Non, elle est parfaite. Parce que des fois, dans les boosters, quand les boosters sont maltraités, mais bon, là, c'était un display fermé, il n'y avait pas de raison que la carte soit mal. Qu'elle ait pris un ion. Allez, donc c'est notre deuxième ultra. Très belle ultra, du coup, hein, une belle full art. On espère en avoir d'autres. Allez, allez. Voilà, j'adore faire ces ouvertures avec vous, ça me détend, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça me fait un bien fou. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Puis on est bien, comme ça on est posé. Petites ouvertures. C'est comme jouer à la loterie en fait. Hein. Alors, Granivol, sauf qu'on a plus de chances de gagner que la loterie. Passe rouge, Flingouste, Nidoran, Wistikram, Dinoclier. Je crois que je ne l'avais pas encore d'ailleurs lui, Dinoclier. Un peu vite. Recharge spéciale, Boule de Nœud, Bodrive, oh en reverse, très belle carte. Et un Bastiodon en rare. Ok. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters pour cette vidéo. Et on aura atteint la moitié du display. Allez, encore quelques ultras. Nous sommes partis à la recherche des ultras disparus. Oups. De toute façon, il faut aussi se dire, hein, si jamais dans les premières vidéos d'ouverture du display, il n'y a pas d'ultra, du coup, elles seront toutes à la fin. Et donc, ça donne encore plus envie de voir la vidéo. Alors, moi, je fais la pub, vous voyez, pour mes vidéos. Mais si maintenant, on n'a pas beaucoup d'ultra là sur les premières, il y en aura beaucoup sur les dernières. Capumain, Yanma, Farfuret, Elionceau, Darinor, Chimpanfeu, Recharge spéciale, Click, Nemelios. Ah, elle est belle en reverse. Ah, c'est celle dont je parlais la dernière fois qui est tellement belle. Et là, en reverse, en plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas de version holographique. Cette carte devrait être en holo. Qu'on détourne juste le Nemelios et le Pokémon derrière, là. Mais waouh, ce serait tellement beau. Et donc, nous avons un Pyrax. Oh, très belle carte aussi. Avec le double type. Ma caméra n'arrive pas à faire le point ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle a. C'est bizarre. Ça doit être un peu flou pour vous. Ça doit être dérangeant. Voilà, donc Pyrax, très belle carte aussi. Mais malheureusement, qui n'est pas en holographique. C'est dommage. Allez, ouvre-toi. Allez, sois coopératif. Oh non, ils sont pas vrais ces boosters. Pas possible. Allez. Je sais que tu peux le faire. Me fais pas prendre un accent russe. Allez. Votre petit code. 3, 1, 2. Tac, tac, tac. Et on est reparti avec un Capumain, Yanma, Ferrosinge, Démanta, Farfuret, Azumarill en Shiny, Mateloutre, Brésillon, Passe Rouge et. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, pff, oh elle est belle, oh elle est belle. Une belle Gardevoir ex Full Art. Alors attendez, je vais dézoomer un peu, que vous la voyez un peu mieux. Voilà, très très belle carte. J'adore Gardevoir, c'est un de mes Pokémon préférés. Après, c'est aussi un des seuls qui a une vraie apparence proche de l'humanoïde. D'ailleurs, par contre, je vois pas tant de gens qui font des cosplays de Gardevoir dans des conventions et tout ça. Après, c'est aussi le Pokémon des pervers par excellence, hein, parce qu'il y a tellement de choses cheloues sur le net avec ce Pokémon. Ah, purée, elle est belle, cette carte, elle est belle. Magnifique. Donc ça nous fait deux full art. Alors j'espère qu'on aura encore de la full art pour le reste. Hein. Je ne sais pas combien on peut avoir de full art sur un display. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut encore avoir des belles ultras. Quoi qu'il arrive. Mais voilà les deux full art. Oh là là. Magnifique. Et puis, je m'y attendais pas, parce que vous savez, des fois, moi, je le sens avec mes doigts, c'est que des fois, quand vous passez, vu que les full art, elles ont cette espèce d'aspect empreinte digitale, et des fois, quand vous passez le doigt dessus, ben, vous savez que, enfin, vous sentez que, voilà, c'est une spéciale, mais là, j'ai rien senti du tout. Tac. En général, je le sens rarement, hein, mais des fois, je me dis, ah, ça pourrait. Après, des fois, des fois, on a des fausses impressions aussi, j'ai des fausses impressions. Marill, Bodrive, Grenipio, Passe Rouge, Flingouste, Galopa, Pokémon Ranger, Nidorino, Scalpion en reverse et un Dracarmin en rare. Oula, il y a toutes mes communes qui partent en couille. Et donc le dernier booster pour cette vidéo. Alors, espérons qu'on ait encore une belle surprise.
Avec un peu de chance, peut-être une secrète aussi. Parce que secrète, on n'en a pas encore eu sur cette ouverture. Tac. Et voilà. Le code. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Alors, j'essaie justement de ne pas toucher la carte, la fameuse carte qui peut être une ultra. Comme ça, je ne sens pas. Moi aussi, j'ai la surprise comme ça. Alors, Tick, Grenipio, Scalpion, Bodrive, Pyronie, Crodrive, l'énergie que je n'avais pas encore, Persian, Démanta en reverse et. Oh! Oh là là! Oh là là, la pluie d'ultra rares aujourd'hui, la pluie d'ultra rares, et Volcanion, voilà. Alors, le monde de Pokémon voulait me rappeler. Alors, tu vois, ce Pokémon, il s'appelle Volcanion, hein. Alors, tu l'oublies plus maintenant, hein. Maintenant, je le sais, les mecs. Mais vous savez, il me faudrait peut-être une secrète de Volcanion pour être sûr de me souvenir du nom, hein. Vous savez, il me faudrait hein, une secrète m'aiderait beaucoup à me souvenir. Hein. Et voilà, donc, petit récapitulatif de ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors, grosse prise sur ces 9 boosters d'aujourd'hui. Ah waouh waouh. Wow. Alors attendez, je vais plutôt faire ça comme ça. Vous verrez mieux. Voilà, donc le petit Engalis en holographique qu'on a eu en premier. Et donc nous avons ces fameuses magnifiques Ultra, dont deux Full Art. Gardevoir ex Full Art, Volcanion ex Full Art et Volcanion ex tout court. Avec le double type. Le double type magnifique. Oh là là. Ah, je suis très content. Très belle ouverture. Et on a fait que la moitié du display. Vous vous rendez compte? Ça fait qu'on a déjà 4 ultras sur la moitié du display. Donc on peut battre le record de la chaîne hein, pour le nombre. Je crois que c'était 6, je crois, le record sur le display Rupture Turbo. Je ne suis plus tout à fait sûr, il faudra que je regarde de nouveau la vidéo. Mais en tout cas, je vous dis du coup à la prochaine fois. N'hésitez pas donc à mettre un pouce vert sur la vidéo pour dire que vous avez kiffé. Comme ça, moi, je sais que vous aimez les ouvertures et vous en aurez plus du coup. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde!